Salut à tous les amis, on va continuer évidemment notre aventure sur Immortal Phoenix Rising après quelques semaines de pause. Et on s'est arrêté ici l'autre fois et on va aller directement continuer l'aventure. C'est parti, let's go. Ok, 8 pièces supplémentaires, 24, parfait. Libra, la constellation de la justice. Illuminant les mortels, elle symbolise ton pouvoir de juger leurs actes, ô Zeus. Ça nous rajeunit pas, tout ça. Tu te rappelles quand je les ai créés ? Au début, les titans arpentaient la Terre. Toi, moi et les autres dieux les avons vaincus. C'était le bon temps, Zeus. Oui, c'est vrai. À l'époque, c'était sans danger de créer des mortels. J'ai commencé par essayer de les faire en or. Ils étaient parfaits, tellement que c'était pas drôle. Alors je les ai supprimés. Ensuite, j'ai essayé l'argent. Mais ils étaient tellement bêtes qu'ils se faisaient mal. Alors j'ai utilisé le laiton. Ça a été une terrible erreur. Ils se sont entretués jusqu'à ce qu'il n'en reste aucun. Après, il y a eu la quatrième race, les héros. Ils étaient vraiment bien, eux. C'était pas des dieux, mais je les ai adorés. T'avais utilisé quoi comme ingrédient ? Ah bah c'est bien le souci. J'ai paumé la recette. Ce qui nous amène au présent. Le cinquième âge. Je les ai fabriqués en fer. Les meilleurs de tous. Si tu le crois, tant mieux pour toi. Si tu n'avais pas volé le feu aux dieux pour le donner aux mortels, tu n'en serais pas là. Tu n'aurais pas fini enchaîné à un... Tu es conscient que tu peux changer cela, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as mis ici. Dès le début, les mortels en fer ont été un problème. Ça a empiré à chaque génération, on m'y reprendra plus. Je pense déjà employer du jus de raisin pour le sixième âge, ou de l'huile d'olive, tout le monde aime ça. Quel est le problème avec les mortels en fer exactement? La décadence, l'égoïsme. En plus, ils ne se lavent jamais les mains. Ils recherchent le plaisir et le pouvoir, et ils rejettent ou imposent l'autorité. Ils sont trop extrêmes et trop brouillons. Ton portrait craché, dis donc. Hé hey, c'est pas faux. Ok. Avant de très bien. Zeus, le monde n'était que chaos et souffrance. C'est toujours le cas d'ailleurs. Je n'ai rien fait du tout. Allez, voyons voir à l'intérieur de ce qui se passe. Voilà, c'est bon. J'espère qu'on y arrive tout en haut bientôt parce que là, ça fait long le trajet. Hein. Je sais même pas si j'arriverai tout en haut d'ailleurs. Avec tout ce froid là. Ah! Ah, mais j'ai même pas la force de. Ah bah si. Ok, donc il faut que j'allume ça, c'est ça? Oui. Faut que j'allume cette zone. Ces deux zones d'ailleurs. Bon, on va passer par là. Ah oui, bah oui, bah oui. Ouais, non, mais j'ai compris. Tac, tac, tac. Comment je vais faire? Bon, je pense qu'on va faire comme ça, là, comme on l'a fait tout à l'heure. On va se mettre ici. On va aller directement viser comme ça. Voilà, j'ai pas le choix de toute façon. Boum, un défait. Et l'autre, ça doit être pareil. Attends, merde, merde, merde. Non. On va essayer comme ça. On va se rapprocher comme ça. Oula, descend, descend, descend. Ah, on va faire tout le tour, hein, comme j'ai fait. Ce sera plus simple. Tourne-toi. Alors, c'est où? C'est là! Ah! Ah, bah, décidément. Allez, hein. On va faire tout le tour comme ça, comme on l'a fait. Hop là, on tourne. Tourne, tourne, tourne complètement. What? Je sais même pousser.
crois que j'ai trop tourné. Oh merde. Ah non, c'est bon. Ah, c'est là. Ok. Et une autre partie. Et une autre partie que j'ai pas ouvert de l'autre côté. C'est où? C'est là-bas. Là. C'est bon ou c'est pas bon? Je vais essayer d'aller voir. Je vais voir si ça marche. Non, c'est bon. Mais je m'en fous du déplacement des fiches. Oui, je m'en fous de ça. Ça m'intéresse pas. Bon. Alors, 1, 2, 3. Et il manque le dernier qui est là. Ah bah. Bah, doucement. Voyons. Doucement, doucement. Bah. Tu fais exprès, hein. Ah, mais c'est pas possible! Il se fout de ma gueule! Mais... Bah, c'est what the fuck. Tu veux m'énerver, toi. Hein. Tu veux vraiment m'énerver aujourd'hui. Hein. Voilà, merci. Bon, est-ce que c'est bon? D'accord, il faut un puzzle. Par contre, le puzzle, je vois pas très bien ce qu'il y a dedans. Je vois pas du tout comment le faire. On va essayer comme ça. Ah oui, bon. Je me fie au rebord, hein, et puis c'est tout. On va faire ça comme ça. Non. Voilà. Là comme ça. Là comme ça. Attendez. Ça comme ça. Comme ça. Ok. Allez, monte. On va le pousser comme ça. Ça, on va le pousser comme ça. Là, comme ça. Non. Pas bon, pas bon. C'est ça comme ça. Ça comme ça. Ça, il faut le pousser vers le haut. Ah, c'est galère celui-là. Hein. Bon, on a trouvé une partie, celui-ci déjà. Ça, celui-là, il est bon. Maintenant, il faut bouger cette partie-là. On va descendre comme ça. Ça, on va le descendre comme ça. Ah, c'est galère. Ah non, c'est pas galère, c'est bon, j'ai trouvé. Ça, on va le faire comme ça. Ça, on le descend comme ça. Ça, on le pousse comme ça. Voilà. Ça, on le pousse comme ça. Voilà. Et l'autre, on le pousse comme ça. Boum! Voilà. C'était long. Mais je suis toujours pas arrivé de l'autre côté, hein, donc... 4 supplémentaires, merci. Mais ça m'indique pas... Tu t'es quand même déguisé, et tu as tout risqué pour faire ingérer à Chronos une potion pour qu'il vomisse tes frères et tes sœurs. Si je les ai sauvés, c'est parce que je voulais pas être tout seul. Par où est-ce que je dois aller? Par
où est-ce que je dois aller? Ne me dis pas que je dois redescendre en bas là. Ah, je crois que si. Hein. Je sais même pas si je dois aller par là. Non, même pas. Comment monter là-haut? Comment monter là-haut? Pas du tout monter là-haut. Il n'y a même pas d'issue. C'est pas vrai, ça pourrait me... monter par là, non? Monter au-dessus, mais je suis pas convaincu. Je sais même pas si c'est là d'ailleurs. Allez, monte! Ah, si, peut-être par là. Ah, là, ça va être dur de monter là-haut. Ah, bah non. Descends. Bah, si, ça va être dur. Parce qu'il n'y a pas de flamme ici. Eh oui. J'ai sauté, elle va tomber dans le vide, cette folle. Et en plus, il y a... Oh, mais il y a de la... Attends. Ouf, ouf. Descends. Descends. Elle va tomber dans le vide, cette folle. Putain. Voilà, ouf. Bon. Plus de peur que de mal. Allez, vas-y, vas-y. Allez, monte. Monte. Monte! Voilà, merci. C'est vraiment une galère, hein. Mais non, mais je t'ai pas dit de faire ça. Voilà, comme ça. Ah, il y a des flammes ici. J'imagine... Non, ça, j'imagine rien du tout. Putain, c'est galère. Ah, c'est vraiment galère, galère, galère. Descends. Ouais, 1, 2. Non, t'as pas comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, descends, descends. Bon. Jusque là, ça passe. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire ici? À moi. Qu'un éclair de passion embrase terrain. Enfin, t'es marrant là? T'es sérieux là? Je vais aller jusqu'à là-haut là? Mais j'y arriverai jamais! Attends, y a pas un petit truc à faire ici? Non? T'es sûr que j'arriverai jusqu'à là-haut parce que j'ai pas confiance, hein? Allez, monte. Mais monte. Ok. Ok. Enfin. Eh ben, c'est bon, on est enfin arrivé tout en haut de... au sommet du truc, quoi. Alors, c'est qui la bosse maintenant, Ligueron?
N'en crie pas trop victoire quand même. Hey, Alain de Cerber. Eh merde, c'est quoi ça encore? Oui, j'ai abattu les colombes qui la portaient sur la montagne. Comme tu l'avais demandé, Typhon. Qu'est-ce que... Et oui, c'est un traître. Le nectar qui accorde la vie aux dieux et les corps qui coulent dans leurs veines, verse-les dans le chaudron. Licorne ? Le sang des dieux. Dépêche-toi, petit. Qu'est-ce qu'il m'agace avec ces petits... Maintenant, le venin de l'hydre qui fit vaciller Héraclès et l'eau du Styx, le fleuve le plus meurtrier des enfants. Recule. Verse l'adamant pour tout contenir. Doucement. Bien. Maintenant, apporte-moi la vie. Ce sera mon trône quand on aura tué les dieux. Dès que ce poison leur a imposé le repos éternel, rien ne résiste à son noir baiser. Alors voilà le plan de Typhon. Les tuer tous. Mais oui. Oh, oui. On est pas bien, là? Ligiron! Je sens que ça va vous plaire. Eh ben... Oh, petite sœur? Comment es-tu arrivée jusqu'ici? J'ai tout entendu! Regarde-moi! Est-ce que je ne mérite pas de devenir un dieu? Et je ferai bien sûr de toi une déesse. Déesse des contes, pour que tu m'immortalises! T'as compris? Tu n'as aucune idée de ce que tu fais! Tu ne peux pas donner ce poison à Typhon! Arrête de t'inquiéter, petite sœur. Tout va bien. Tu n'auras pas à faire de mal aux dieux, c'est promis. Je m'en chargerai. Aux enfers, le passé. Vive la nouveauté! Non, je ne te laisserai pas faire. Et là, c'est la merde. Avec tes épaules de serpent? C'est pas un serpent, on peut essayer. Avec mes épaules. Ah, mais c'est qu'elle est sérieuse. Ça me gêne de devoir t'humilier. Mais tu ne me laisses pas le choix. Non, allez. Ce que tu sais faire. Bah bien. Mais qu'est-ce qui m'est... Mais j'ai pas envie de ta photo, moi. Wow. Ah ouais, mais il rigole pas, lui, en fait. Oh, putain. Oh, il mange. Wow, 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 wow. Wow. Mais il est pas bien, lui. Mais casse. Wow, 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 wow. Mais il est pas bien, lui. Wow, 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 wow. Allez, mange. T'es pas bien, toi, non, t'es pas. Il est où? Il est où? J'ai pas visé, frère. Oh, ah, merci. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Il est où, ce con? Allez, monte. Je me suis entraîné. Je crois qu'il a pas fini. De retenir mes coups, alors. Je te le conseille. Il y a des conseils. Comme... Là, c'est la merde. Oh oui, on n'est pas bien là.
Il va dire ça toute la journée, c'est abouti. Allez, en avant, Phoenix! Belle frange. Mange, frère. Viens, frérot. Allez, prends encore. Oula. Wow. Pleureux, va. Wouhou. T'aurais jamais dû faire ça, frère. Allez, mange. Allez, mange. Oh, wow, 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 wow. Putain. Oh, merde, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Je fais que des conneries. Mais si, enfoiré! Mauviette, va! Oh putain! Ok. Bon, là, c'est la troisième phase. Ce n'est plus drôle du tout, Phoenix. C'est ce que je suis pour toi ? Une plaisanterie ? Ce n'est pas ce que je voulais Une plaisanterie. Dire. Toute ma vie, j'ai voulu te ressembler. J'aurais fait n'importe quoi pour toi, mais tu ne t'es jamais tourné vers moi. Comme si c'est je n'existais pas. Alors, qui rigole maintenant ? Bon, là il rigole pas, mon ami. Oula, 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 attends, il est où? Ah oui, j'esquive, j'esquive. Voilà, comme ça. Ah, bordel. Ah, mais putain, lâche-moi, toi. Putain, tu l'as même pas touché, bravo, hein, bravo, bravo. Oh putain, la salaud! Wow! Quand tu veux, hein, tu attaques. Aïe, bordel de merde! Wow! Ah, saloperie! Mais non, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que... Lâche-moi! Vas-y, fonce, 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 fonce. Allez, encore. Wow! Tu fais ça, toi aussi? Ah, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il fait? Oula, on esquive, esquive, esquive. Voilà, voilà. Voilà. Oh putain. Recule. C'est ça ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est vous? Wow. Charge le truc, voilà. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Hop là. Allez, on se concentre, on se concentre. On se concentre, on va arriver. Ah, putain! J'ai parlé trop vite. Oh, cul.
Wow. Putain. Putain de merde. Wow. C'est relou, hein. Wow. Tiens, prends ça. Enchaîne. Wow. Enchaîne. Ah non. Bon, allez, mange. Wow. 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 Oh non. Esquive, esquive, esquive. Allez, elle est où le truc? Il est où? Putain de merde. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Allez, enchaîne avec ça. Aïe. Allez, enchaîne. Wow. Allez, enchaîne. Allez, on a bientôt fini, là. Allez. Ah, non. Non, 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 tu vas pas crever à la fin. Tu vas pas crever à la fin. Tu vas pas crever à la fin. Mais crève, saleté. Enfin, putain. Arrête. Pourquoi? Tu n'es pas celui qui a vaincu tout seul un millier de Spartiates et qui a coulé en une seule nuit tout leur navire? Comparé à tous tes exploits, ce n'est rien du tout. Non, je n'ai jamais fait tout ça. Comment? Quoi? Prométhée, explique-moi. Je me suis caché, d'accord? Il y a eu une tempête. Tous les navires ont coulé et les autres soldats sont morts. J'ai tout inventé. Tu es contente? Rien n'était vrai? Rien du tout. C'est toi. C'est toi qui m'as appris comment faire. Tu es une conteuse si douée, si vibrante, qu'on ne peut s'empêcher de croire ce que tu dis. Tu es si passionnée. Après tout, raconter des histoires, c'est un don familial. Je n'appelle pas ça raconter des histoires. Tu as menti, c'est tout. Oh, tout dépend du point de vue. Quoi qu'il en soit, une fois devenu dieu, je rendrai tout cela vrai. Personne n'en saura rien. Les Guirons. Typhon, non! Arrête! Tu fais une terrible erreur! Non, 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 non. Et s'il utilise cette potion contre ma famille? Il faut que tu la lui prennes, Phoenix. Un toile d'araignée, carrément. On est obligé de rentrer dedans là, attraper les grillons. Bon alors. Attendez. Avant de rentrer là-dedans, est-ce que je peux revenir là où j'étais ou pas? Est-ce qu'on attaque directement le boss final tout de suite ou comment ça se passe? Parce que si je peux plus revenir en arrière, ça va être chaud, hein. Parce qu'il y a des choses que j'ai envie de déverrouiller, moi. Il y a un déplacement rapide ici ou pas? Je ne sais pas. Parce que j'ai envie de revenir ici, à la Halle des Dieux, pour peut-être améliorer des petites choses. Je vais retourner ici. Je vais retourner ici. Et après, on essaiera de retourner en haut si on peut. Au pire, on reprendra la sauvegarde que je viens de faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses que... Beaucoup de choses qu'il faut que je déverrouille. Alors, tac tac tac, ici. Bon, j'en ai 28. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire?
Qu'est-ce que je pourrais déverrouiller? Un truc que j'utilise assez souvent, parce que sinon... Ça, le bouclier, ça, j'utilise pas souvent. Ça, c'est pas mal. Je pourrais l'utiliser, ça. Ça, à chaque fois, je me trompe, donc ça sert à rien que j'utilise. Ça, j'utilise pas souvent. Ouais, bof. On va utiliser celui-ci, déjà. Voilà. Et là, dans les compétences, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est quoi? Ouais, pff, ça, je m'en fous. Les flèches. Ouais, bof. Et ça? Ça, je sais pas si ça a l'air intéressant, ça. Ça, c'est quoi? Parade, ouais. Bon, les parades. Bon, ça, c'est pour la nage, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ah, ça, c'est pas mal. Esquiver plusieurs fois, c'est pas mal. Ça m'aide beaucoup, ça. Bon, on va prendre ça. La hache. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais, on va prendre ça. Bof. Il y avait un truc que je voulais faire l'autre fois, mais je me rappelle plus c'est quoi. Ouais, celle-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, ça c'est pas mal, mais on l'a déverrouillé, je crois, ça. Ouais, c'est bon. Toc, toc, toc. Les potions. Non. Désolé, hein, je prends un peu mon temps. Je préfère être sûr que ça marche. Que je fasse des belles choses. Et des bonnes choses, surtout. Alors. Ouais. Ma parade, c'est pas mal. C'est ce que j'avais, ça. Ouais, ça, c'est pas mal aussi. Voilà. C'est bon. On a ce qu'il faut ici. Enfin, pour l'instant. Ok, ça c'est bon. Alors l'énergie, est-ce qu'on a assez? Non, on a rien du tout. Donc c'est pas la peine. Ici, non, ça c'est juste pour la coupe. Tac, qu'est-ce qu'on a ici déjà? Ah oui, ça c'est les... Est-ce qu'on a fait des petites choses? Là, on l'a fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait que ça? Bon. Ok. Voyons les potions. Ça, je peux pas en fabriquer. Ça, je peux en fabriquer au max. Bon, bon, super. Ok. Finalement, j'ai pas fait grand-chose hein, dans cette zone. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on peut améliorer niveau améliorer les avantages. Ok. Bon, on va améliorer ça. Hein. Hop. Ok. Ok. Non, pour l'instant, non. Et là, l'énergie, je suis encore très loin. Ouais, j'en ai eu qu'un seul. Bon. Je pense que c'est bon. Non, désolé. Est-ce qu'on peut revenir en haut dans la carte?
J'espère que oui. Hop. Suivre. Ah, y a pas de déplacement rapide là. Ah bah si, voilà. Je suis con. Hop. Je le vois marqué en gros, je le vois. J'ai peur. Bon, c'est bon. J'ai pas amélioré grand chose. Hein. J'ai vraiment pas amélioré autre chose, mais bon. C'est pas facile. Hein. Allons voir ici. Entrer dans le pic du roi. Ah bah oui, c'est bien ce qui me semblait, c'est le boss final. Ah bordel. Je vais être dans la merde. Je vais être dans la merde. Ah ouais, bah c'est ça. Entrer dans le pic du roi. C'est ça, hein. Ouais. Le pic du roi, évidemment, ça nous ramène. Ah, à chaque fois je me trompe du touche. Ça me ramène directement. Là-bas. Ici. Et donc vers le boss final, du coup. Le problème, c'est que j'ai pas assez de choses. Et je sens que je vais crever assez facilement dans cette fin d'aventure. Parce que j'ai rien. J'ai pratiquement rien du tout. J'ai rien, rien, rien. La santé, c'est catastrophique. Les potions, j'en ai presque plus. Donc, je vais m'aventurer dans une partie que ça va être la merde. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas du tout ce que je pourrais faire. Oh. Ah, attends, attendez, j'ai vu un truc là en bas sur la carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est quoi ça? Récompense. Bon, bon, vous savez quoi? On va rentrer dedans. On n'arrive pas, tant pis. Je sais que ça va être la merde à l'intérieur. Je vais galérer, j'en suis sûr. Mais bon. J'ai pas le choix. Hein. Faut qu'on avance. Au pire, si on n'arrive pas, ben, ça c'est sûr qu'on n'arrivera pas. On irait directement faire d'autres choses en parallèle. Pour déverrouiller d'autres choses, et voilà quoi. Liguiron, attends! Je n'arrive pas à le croire. Ne jamais se retourner quand quelqu'un nous montre quelque chose derrière nous. C'est l'enfance de l'art, une règle de base, comme le prélavage, ou toujours vérifier qu'on n'avale pas une pierre quand on dévore un enfant. Faut qu'on monte là-haut directement, ouais. Tout ça. Ouais. Faut qu'on monte tout là-haut. Allez, monte. Ouais, monte. Voilà. Encore plus haut. Voilà. Attends, descends. Voilà. Doucement, doucement. On va essayer d'aller par là-bas. Je sais pas si c'est le bon choix, mais bon. Hop. Ouais, voilà. On va par la droite. Non, doucement. Voilà. Hop, monte. Forcément, il y a plus d'énergie quand elle monte comme ça. Voilà. Et encore plus haut. Pour l'instant, on n'a pas trop de difficultés pour monter. Mais bon, ça risque de pas durer ça. Hein. J'ai plus aucune potion, les amis. Je m'aventure dans une partie qui va être catastrophique, je vous le dis. Hein. C'est sûr.
Je vais crever en deux secondes. C'est quasi certain. C'est quasi certain à 10 000%. Oh là là. Phoenix sentit que si elle suivait son frère dans l'abîme de Typhon, elle ne pourrait pas revenir en arrière. Bah oui. Bah. La merde que ça va être. J'ai plus rien, j'ai plus de sous-sous. Oh la merde. Oui, bah je le savais ça. Un fichier de sauvegarde de Typhon va être créé pour vous permettre de recharger ultérieurement cet instant. Il est impossible de regagner l'île d'or afin de poursuivre la progression après être entré dans la crypte. Je ne tuerai pas les dieux pour toi. Dommage. Ce doit être au contraire à ta nature. Tu es à moitié. Ceci explique cela. Non. Assez discuté. Il est temps d'accomplir la prophétie. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, pas ça. Il y fait. Qu'est-ce qu'il fait? Oh bah ça va être long là-haut. Tu peux pas avec ta queue vite fait le truc hein? Voilà comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je vais attaquer ses pieds, ce sera plus simple. Ah ouais, tu commences toi. Ah,
Pour l'instant, il a pas l'air compliqué, mais je pense pas que c'est fini. Ça se finit tout de suite. Hein. Ouch. Pour l'instant, ça va, c'est pas trop compliqué. On sait jamais, puis s'énerver après lui. Ah oui, 700 quand même, pas mal. Oh, ça sert à rien cette... Oh, quand même, 118, enfin 300... J'ai raté mon coup. La tête, c'est pas mal de viser la tête. Allez, viens. À mon avis, il se laissera pas intimider comme ça, à mon avis, ouais. C'est même ce qui me semble. Je crois qu'il va pas se laisser faire, ça va arriver à la fin. Ouais, c'est juste la première phase. Hein. Dernier coup là je pense. Ouais mange. Voilà. Ça c'est juste que. C'était facile ça pour l'instant. Mais c'est pas fini, ça se finit pas comme ça. Hein. Yes! Bien joué Phoenix! Allez, high five Prométhée! Ou pas, c'est pas grave. Mais je ne t'en tiens pas rancune, car en cela, tu n'as pas failli. Tu mérites de savoir ce que j'ai toujours su. Et dans un dernier souffle, il dévoila la vérité. Hermès. Quoi? Phoenix est une demi-déesse? Mon père? Hermès? Impatiente de parler à Hermès et de voir son frère réhabilité malgré ses méfaits, Phoenix se mit à escalader l'abîme. Si elle rejoignait assez vite la surface, elle pourrait voir chacun reprendre vie. Bon, j'ai perdu mon pari. Belle victoire, Prométhée. Mais il y a quand même deux, trois incohérences, et pas des petites. Pan, lui aussi, est le fils d'Hermès. En effet,
Il a des sabots. Phoenix n'a pas de sabots. Tu as raison. Franchement, je ne comprends rien au plan de Typhon avec la potion déicide. Qu'il n'a même pas utilisée, d'ailleurs. Et puis dis donc, je te signale que Phoenix ne risque pas de voir les mortels reprendre vie. Parce que c'est bien toi qui les a pétrifiés. Voilà. On s'est disputé, toi et moi, à ce sujet. Avant que j'aille à cette fête, aux enfers. Les choses commencent à se mettre en place. Qu'est-ce que tu as fait, Prométhée ? Réponds. Tu n'as pas voulu entendre raison. Alors j'ai fait bouger les choses. Et la tempête qui a frappé le navire de Phoenix ? Mon œuvre. Enfin, celle de mon frère Atlas. Attends, comment tu dis que Typhon a été libéré ? Je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi l'œuvre d'Atlas. Et cette histoire ? Elle est presque vraie, jusqu'à la fin. Et elle a joué son rôle, te maintenir ici, avec moi. Typhon ne t'a pas volé tes pouvoirs de prophète. Ils n'ont jamais été aussi bons. Et ils surpassent de loin ta mémoire. Je t'ai averti, mais tu as comme d'habitude fait la sourde oreille. Si une nymphe devait être enceinte de tes œuvres... Tétis. Cet enfant, l'aîné de Tétis et de Zeus, marquerait ta fin. Mais Phoenix était mortelle. Elle a été blessée. Et non. Ça, je l'ai inventé. Malgré la chaleur extrême, Phoenix poursuivit sa tâche et plongea le marteau d'Héphaïstos au cœur du feu. Il n'y a pas un seul mortel capable de manier ce marteau. Allez, c'est fini. Phoenix est en cendres. Je suis le seul à pouvoir résister à ces éclairs. Non, c'est pas possible. Le père de ta lignée n'est pas le père des tiens. Aîné de Tétis, père renversé, âme héroïque élevée, il est temps pour toi de rentrer. Hermès n'est pas le père de Phoenix. Phoenix est ma fille. Zeus, tu as transformé les mortels en statues? Toi seul? Oui, c'est moi. Alors Typhon a dit la vérité. Pourquoi? J'ai façonné à partir du fer le cinquième âge de l'humanité. J'ai donné vie aux hommes. Des générations ont passé, et j'ai vu les souffrances infligées avec insouciance, la cruauté, l'égoïsme décadent, et ça n'a fait qu'empirer. J'ai vu les mortels comme un échec, alors j'y ai mis fin. Je sais que c'était une erreur. Mais qui suis-je pour juger l'imperfection? Si j'ai appris une chose en te voyant sauver mes enfants, c'est qu'ils étaient imparfaits. Les mortels sont comme les dieux, et en réalité, je suis pire. Vous vous porterez tous mieux sans moi. Oh. Oui! Il est temps que s'accomplisse la prophétie. Je suis fier de toi. Promets-moi que tu seras un meilleur chef, et le plus important, un meilleur parent. Je sais que tu n'es pas parfait, mais tu es mon père. Et c'est cela qui compte. Tu ne vas pas me tuer ? Quoi ? Tu as cru que tu t'en tirerais aussi facilement ? Reconnaître ton erreur n'est que le premier pas. Désormais, pour citer Arès, il t'appartient de faire mieux. Ce qui réclame 5, voire 6 étapes. Je dirais plutôt 12. La vie n'est pas un escalier ni une construction. Non, il est encore là, ce con. Soit on réussit du premier coup, soit on échoue. Et voilà, il est toujours vivant.
Il semblerait que je t'ai surestimé, petit. Il n'y a pas de deuxième chance. Typhon, arrête! Non! Bon voyage, trésor! Là, par contre, c'est la grosse merde. Ah là là. Pas du tout, c'est dur. Oh merde. Ouais. J'ai horreur des cryptes. J'ai horreur des cryptes. Y'a un truc en bas à faire ou pas? Non. Je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire, mais bon. Côté. Y a un truc par là-bas aussi. Ah oui. Y a un truc qui bug là. Un truc qui bloque. Comment on le prend ce truc là? Pourquoi j'arrive plus à prendre des trucs? Ah oui, je suis con. J'ai oublié ça. Voilà. Après, tu le décales là-bas. Hop. Là-bas. Et là, tu rappuies dessus. Ok. Ça a fait quoi? Ça a bougé quoi? Ça, il faut que je l'enlève avec les flammes. Donc il faut que je trouve des flammes pour déglinguer ça, je pense. Attends. Ça m'a ouvert ici. Et pourquoi ça m'ouvre pas là-bas?
Là, c'est bloqué, j'imagine, hein. Forcément. Comment je vais faire? Les amis, je vais affronter un boss final. Je suis même pas apte encore. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas du tout comment je vais faire. Parce qu'il faut que j'enflamme ça, mais je sais pas où est le truc. Je sais pas comment faire. Je sais pas du tout comment faire. Monte! Monte là-dessus! D'accord. Il y avait un truc au-dessus ou pas? Attends, je vais voir, je vais aller juste là. Je vais faire juste ça. Non, il n'y a rien par là. Il n'y a rien du tout. Voilà, j'ai aucune idée. Aïe, aïe, aïe. Il y a un truc là-bas que j'ai pas vu. Par là. Voilà. Ah oui. Eh ben oui. Ça. Je le maîtrise. Bon. Là, ça c'est un truc de bon. Hop. Ah oui. Et le problème, c'est que. Il y a le vent. Qui va par là-bas. Comment on désactive le vent? Ah bah oui, je suis con. J'ai même pas vu le truc. Voilà. Là, c'est bon. Bien là. Attends. On repart de l'autre côté. Allez, donne-moi ça. Voilà. Tac. Et voilà. Ok. D'accord. Bon, ça fait une partie supplémentaire. Partie par là, une partie par là-bas. Je vois rien. Ah, mais putain. Je suis un débile, moi. Je suis un débile. Voilà. Je suis un débile. Autant pour moi, les gars. Autant pour moi. Il y a la femme juste à côté, moi je cherche comme un débile. Bon, là j'imagine que je peux aller de l'autre côté. Ça a été débloqué à l'intérieur, là. C'est bon. Normalement, ça devrait le faire. Ouais, c'est ouvert. C'est bon. Autant pour moi. Autant pour moi, c'est moi qui ai foiré mon truc. Putain, si j'arrive à battre le boss final comme ça, avec le peu de choses que j'ai... Ah, franchement, je suis un pro. Mais je pense pas avoir... Je pense pas. Franchement, je pense pas.
Allez, ça commence mal. Oula. Tu passes quoi là? Mais tu frappes, oui. Ouais, j'ai même pas vu le haut. Wow, calmez vos fesses là. Oh, allez, mangez ça. Ouais, popo, les salauds. Ah, allez, mangez ça. Wow. Quoi? Je vais t'avoir. Allez, mange. Je t'ai vu, toi, là-bas. Je t'ai vu, hein. Crois pas que je t'ai pas vu. Hein. Aïe! Wow! Oh, allez, mange. Tu veux la fessée, toi? Wow! Il est pas bien, lui. Hein. Attends, viens ici. Allez, viens. Ok. Bon. J'ai une petite sauvegarde ici. Est-ce que je peux revenir en arrière pour récupérer? Il y avait un petit soin là-bas, je crois que j'ai eu. Sur la table. Je crois qu'il y avait un soin là-bas au fond. Une pomme, un truc comme ça, voilà. On va juste aller là-bas. Et récupérer ça. Merci. Au revoir. J'en aurais pu trouver de l'autre côté aussi en avançant. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie du Immortal Phoenix Rising. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos abonnés, évidemment. Bon, allons vers la droite. Et on se retrouvera la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah voilà, il y en avait un juste ici. Alors. D'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, à la prochaine. Ciao, bye.